You know what is said among guitarists. We have a magnificent original repertoire. There is no need to borrow from others. Why desperately work to play transcriptions like this? And it's unplayable, it's madness. Ces propos, je les comprends bien et même je les ai partagés. Mais je n'apporterai aucune réponse ici. Cependant, concernant cette folie, soi-disant folie, je vais laisser la parole à d'autres fous, comme par exemple celui-ci. N'a-t-il pas lui aussi ce fou, un répertoire immense qui va de Couperin à Ravel et bien plus? Alors pourquoi cette folie de transcrire ça pour le piano? Oui, mais ça, c'est Petrouchka de Stravinsky. Et cette folie, c'est l'envie impérieuse de se projeter dans un chef-d'œuvre éternel et de s'enrichir de ses trésors. Comme par exemple la danse de la Meunière du Tricorne de Manuel de Falla à la guitare solo. Ne mérite-t-elle pas, elle aussi, d'y consacrer tous nos efforts? What are the deep reasons? Le temps passant, je me suis senti de moins en moins disposé à travailler des œuvres qui, au lieu de la faire briller et de l'enrichir, appauvrissent la sonorité de la guitare. À cause d'une écriture forcée, c'est-à-dire qui ne part pas de l'instrument lui-même. Do you mean that only a guitarist can freely rewrite a work to transcribe it because they hear the sound material directly? Car un guitariste est un acousticien, je dirais un acousticien par nature. La production fine du son, c'est son domaine. Il vit dans son intimité de ce son, car il touche le corps vibrant avec les deux mains, ses deux mains à lui, son corps, directement, sans mécanisme, sans intermédiaire. Are they the only one that can make choices? Et c'est le son qui nous dicte les bons choix, parfois audacieux, mais néanmoins au service de l'esprit de l'œuvre. Naturellement, le guitariste est enclin à suivre cette pente naturelle pour faire sonner la guitare. Ce que j'appelle, et ce que j'ai appelé plutôt le style technique naturel, et qui consiste en définitive à rien d'autre qu'à respecter et écouter la guitare. A successful transcription is thus a circular transcription, a detranscription? Oui, l'œuvre que l'on veut transcrire doit être bien écrite pour la guitare, non seulement dans ses possibilités techniques, mais aussi dans ses modes de jeu spécifiques, explicites ou éventuellement cachés dans l'orchestration originale. Is that why you transcribe a lot of works from the Impressionist period? Oui, en effet, les musiques de l'impressionnisme se caractérisent souvent par certains procédés d'écriture qui conviennent à la nature de la guitare. Simplicité des motifs, harmonie modale, timbre recherché ou exotique, tous favorables à ce que donne spontanément la guitare. Dans ce sens, un bon exemple d'écriture modale pourrait être celui-ci. Il est donc naturel à chercher les meilleures transcriptions dans les œuvres du post-romantisme ou de l'impressionnisme, français ou espagnol. Un bon exemple de cette simplicité ou sobriété d'écriture est donné évidemment par une pièce comme l'Asturias d'Albéniz. Mais aussi dans un tout autre genre, par l'hommage à Debussy du même Manuel de Falla. Thank you.
et aussi cette Habanera de Ravel pour deux pianos. Et aussi Turina, avec des transcriptions qui, elles non plus, ne tombent pas nécessairement tout de suite sous les doigts, mais qui apportent leur parfum caractéristique. Could you talk about the three-cornered hat? Ce ballet du tricorne est une fable, une satire sur le pouvoir, qui se passe dans un petit village espagnol, et avec comme protagoniste le meunier et la meunière, qui sont en quelque sorte des symboles de la liberté. Le corregidor, ou gouverneur, qui est le despote local, et puis les voisins qui représentent l'opinion publique. What is the musical content and how is it close to the guitar? Léonide Massine, le futur chorégraphe du ballet, raconte comment Manuel de Falla, alors cloîtré dans sa thébaïde de Grenade, l'emmena sur la colline de l'Alhambra toute proche. C'était l'époque où le projet du tricorne devait prendre forme. Un guitariste aveugle était en train de jouer au coin d'une rue. Falla sortit alors son carnet et nota rapidement un thème. Ce thème qui servira de base à une autre pièce du tricorne, la séguidille dite « Danse des voisins ». Il s'agit en réalité des premières mesures d'une autre séguidille, elle très populaire, que je donne ici transposée en ré, pour pouvoir les comparer. On voit que Falla s'est inspiré du populaire avec son chromatisme descendant caractéristique ré, do dièse, do naturel, si, mais dépuré et retravaillé. Torre del Oro, Arenal de Sevilla, Torre del Oro, Arenal de Sevilla, yo le Torre del Oro. Torre del Oro, Arenal de Sevilla, Torre del Oro. Tout ceci démontre, s'il en était besoin, la connivence entre la musique de Falla et la guitare, et augmente l'intérêt de la danse de la meunière sur cet instrument. These works of Falla and also Albéniz or Turina are often saturated with idiomatic elements belonging to the language of the guitar. It is well known. Oui, il nous faut d'abord les identifier afin de réaliser une vraie détranscription. Il y a d'abord des passages évidents sur lesquels je ne m'étendrai pas. Par exemple, quand c'est le texte populaire lui-même que Falla a orchestré, comme thème-base rythmique initiale de cette danse de la meunière, que je vous donne ici dirigée par Boulez. On voit les grands efforts d'instrumentation et la profusion des instruments dans le grave pour imiter la force et le bourdonnement du rasgueado.
nous fournit directement le geste instrumental à la guitare. Bien prendre tous les doigts en descendant la main et le pouce pour relever avec un mouvement de l'avant-bras. Il faut remarquer néanmoins l'alternance la mineur-la majeur dans cet accord, un effet moderniste très caractéristique des années 1920. Et en même temps, une sorte de trille interdite par les traités, bien entendu, en tout cas très guitaristique, avec un seul doigt. Mais une audace harmonique qu'aucun guitariste n'aurait osé imaginer à cette époque. Probablement tous plombés par un conservatisme bien caractéristique également des années Tárrega et Miguel Llobet. Are there other works for comparison? Oui, un rasgueado du même style technique naturel existe au début de L'amour sorcier de Manuel de Falla, avec une orchestration similaire, avec beaucoup de dessins croisés qui se rencontrent, se télescopent, pour rendre de façon spectaculaire le crépitement du rasgueado. Cependant, comme pour toute détranscription, nous n'allons pas trouver la solution toute faite et doigtée dans l'original qui, lui, s'adresse à d'autres instruments, car ces instruments ont eux-mêmes leurs lois et leur langage propre. Il s'agira, une fois l'élément guitaristique reconnu, derrière son déguisement instrumental exogène, de traduire ce geste instrumental étranger dans la langue de départ qui est celle de la guitare. Looking for encrypted rasgueados somehow? Oui, mais attention. De même qu'il y a des subtilités dans l'orchestration, la réponse de la guitare doit être nuancée en ce qui concerne le rasgueado lui-même en variant le nombre de cordes et la sonorité. D'habitude, je déconseille le dedillo avec le seul index qui est agressif pour l'ongle de ce doigt et insuffisant si l'on veut la nuance fortissimo. Cependant, il peut être employé pour varier et nuancer le son du rasgueado, surtout avec une attaque déployée en arpège qui lui donne l'impact initial qui lui manque. La réponse nuancée de la guitare peut même passer, si besoin, au non-rasgueado et utiliser d'autres styles techniques, pourvu qu'ils soient naturels et faciles, comme la batterie d'accords en opposition avec le pouce. Néanmoins, si la répétition à travers l'œuvre du motif de base lui donne son caractère populaire, elle est aussi le défaut de l'armure. Falla ne pouvait se contenter de le répéter, même varié, dans ses différentes nuances. Pour apporter une variation plus créative, plus significative, il lui fallait y superposer un événement musical. Ce sera l'énorme trille des bois dans l'aigu. Sometimes the physical impossibility of translating exactly the idea and not betraying the author obliges to a guitaristic rendering that is not really satisfying if you examine it literally. Comme souvent, c'est ici l'esprit que je veux au moins respecter. Pour ce trille, j'ai proposé un équivalent, certes un peu audacieux, mais toujours très guitaristique, et qui aura juste la fonction de varier la énième réexposition du thème rythmique initial.
Troya utilise un autre effet guitaristique évident, le trémolo que font les guitaristes de flamenco, ce trémolo rapide et incisif avec un fort accent, en déployant les doigts de la main droite une seule fois, suivi de l'attaque du pouce sur une ou plusieurs cordes au grave. Que Falla a probablement entendu en son temps. Mais Falla enrichit le procédé en doublant ce trémolo unique avec un accompagnement à plusieurs voix parallèles, ce qui lui donne plus de force. Il nous faut maintenant repenser ce passage à partir de la guitare. D'une certaine façon, une fois de plus, nous aurons le dilemme, le son ou le texte. Pour le détranscrire, nous devrons alors traduire cette couleur donnée par les bois et les cuivres avec une technique moins habituelle mais tout aussi naturelle. Le trémolo simple sera remplacé par le trémolo à deux cordes, obtenu avec un rasgueado pour son effet rageur. C'est un rasgueado circonscrit à seulement deux cordes. Pour le rendre vraiment facile, guitaristique, il faudra bloquer les cordes indésirables, la plupart du temps avec le pouce au grave, et les cordes aiguës avec la main gauche. Is this not a common technique in the art of rasgueado? Oui, et il y a d'innombrables exemples, comme par exemple le tri rasgueado qui ouvre la danse rituelle du feu de l'amour sorcier, du même Manuel de Falla. There are not only guitar passages in the Miller's Wife dance, there must be problematic ones? Oui, en effet, par exemple la copla, mesure 66 à 85, est le passage le plus difficile car il s'éloigne des styles techniques naturels de la guitare pour une écriture un peu plus classique, celle de la mélodie accompagnée où la guitare a toujours été moins à l'aise. Il nous faudra faire un effort particulier, surtout aux mesures 82-85, où une combinatoire de doigts hostile à la guitare est néanmoins absolument nécessaire afin de suivre le contrepoint dans l'aigu tout en chantant la falsetta au pouce dans le grave. Voilà, nous avons donc réalisé une détranscription, ce que j'appelle une transcription circulaire. Il nous faut maintenant la jouer. Jouer une œuvre à un moment donné et sur un instrument donné ne constitue qu'une photographie instantanée, je dirais, de la vie de cette œuvre et de la pensée de son auteur. Une pensée qui peut mettre un certain temps avant de trouver l'éclairage instrumental qui lui donnera une autre vérité, et je dirais parfois toute sa vérité. How to reach this? Il suffit pour cela d'oublier la partition, de fermer les yeux, de sentir cette musique de l'intérieur et tenter de donner à entendre que si c'est pas écrit pour la guitare, c'est bien la guitare qui l'a écrit. Même si cela prend 10 ans, ça en vaut la peine. Thank you.